Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 3 du Live des métiers. On rappelle le principe, puisque vous ne pouvez pas venir aux Olympiades des métiers, eh bien les Olympiades des métiers, on peut dire ça comme ça, viennent jusqu'à vous, où que vous trouviez dans cette magnifique région, notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Et notre invité aujourd'hui pour cet épisode 3 s'appelle Alain Sanguinet. Bonjour Alain. Bonjour. Élu de la Chambre régionale de l'agriculture et puis maraîcher à Aisines, donc double casquette. Double casquette, effectivement. Double activité. Oui. Et on aura l'occasion, bien sûr, avec vous de détailler ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui, le thème de l'émission de ce numéro 3, eh bien, ça va être de la terre à la mer. Et pour présenter, comme d'habitude, mon co-présentateur, mais il n'est pas là, sa chaise est vide, c'est normal parce qu'il a décidé, c'est une grosse production américaine aujourd'hui, Damien Moncassin, qui est quelque part dans ce beau bâtiment de la région. Damien, où es-tu ? Bonjour Denis, tu m'entends correctement ? Parfaitement. Alors, je me trouve en fait dans un bureau de la direction de la communication, puisqu'à la région, on a plus de 100 métiers qui existent. Et donc, je voulais profiter de ce petit moment. Alors, vous allez voir un collègue qui est en train de travailler pour remercier l'ensemble des collègues de la newsroom et de la direction de la communication qui nous aident à diffuser cette émission sur les différents réseaux sociaux. Donc là, vous avez Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Voilà. Et puis je vais venir te retrouver et en profiter en même temps pour saluer Julien, Bertrand, Aurélien ainsi que Marina qui nous aident à monter cette émission et donc à la diffuser sur l'ensemble de nos canaux. Alors c'est vrai que pour l'instant ça paraît un petit peu vide Damien, mais c'est normal parce que voilà, je crois qu'on sort d'une période assez compliquée de confinement et forcément l'hôtel de région n'a pas encore retrouvé, on va dire, son rythme habituel. Alors effectivement oui, l'hôtel de région, l'hôtel de région est effectivement non pas un peu vide, mais il y a une reprise progressive qui est en train de se faire dans les conditions sanitaires. C'est en train, ben, au fur et à mesure, de rentrer dans l'ordre. On a dans le hall beaucoup de masques et de solutions hydroalcooliques pour l'ensemble des lycées, des centres de formation continue, etc. Donc, effectivement, la reprise est progressive. Et puis, normalement, dans peu de temps, je devrais pouvoir vous retrouver sur le plateau. La magie de la technologie, c'est vraiment une grande production. Alors, on avait prévu des cascades aussi, mais bon, comme Damien n'a pas voulu se blesser, donc on a fait light aujourd'hui. Mais enfin, Damien va pas tarder à nous rejoindre ici sur ce plateau donc, du live des métiers. Voilà, c'est une question de seconde. Bonjour Damien. Damien qui va se réinstaller. Je change de micro. Bonjour Denis. Bonjour. Et on va pouvoir donc tout de suite poser une première question à Alain Sanguinet, je rappelle, élu à la Chambre régionale de l'agriculture et puis maraîcher à Aisines. Alors, cette casquette-là, maraîcher à Aisines, on en parlait de 2 mois et demi compliqués, mais vous avez tout le temps travaillé. Hein. Mais effectivement, on a maintenu toute l'activité des entreprises de production maraîchère. Hein. Enfin, toute production en tenue. Assez compliqué par rapport, disons quand même, à nos salariés. Donc il fallait prendre des mesures. On a essayé de parer à toute éventualité. La vente directe après là-dessus, c'est relativement très très bien développé. Ça nous a donné une activité de surcroît. Mais on y est arrivé difficilement, mais on y est arrivé. Voilà, donc on a pu quand même alimenter nos citoyens bordelais, oui, et de Grande-Aquitaine. C'est important parce que c'est très important. Parlé de vous, hein, pendant cette période-là, vous étiez acteur direct de la consommation des gens. Mais c'est-à-dire que quand même, bon, je pense que tous nos collègues agriculteurs étaient quand même en première ligne aussi. Grâce à eux, quand même, on a pu avoir une production et maintenir la consommation des fruits et légumes sur la Grande-Aquitaine. Damien. Alain, en termes de salariés dans ton exploitation, vous avez combien de salariés et puis quelles sont les productions que vous faites découvrir à l'ensemble de la population bordelaise? Alors, à l'heure actuelle, on est 10 à travailler sur le RL des Serres Sanguinées. On a rentré un jeune là qui est en plein, qui est seconde d'exploitation. On a une chef de culture. Voilà. Ensuite, sur la vente directe, ils sont 4 à l'heure actuelle.
Voilà. Donc ça fait une petite entreprise qui fonctionne. D'accord. Et vous vendez quoi? Alors, à l'heure actuelle, on est en pleine production de concombres, poivrons, aubergines, tomates, des herbes fines à l'extérieur, persil, ciboulette, etc. Voilà. L'illustration, Alain, de ce qu'on disait juste avant que l'émission ne commence, mais on peut en faire profiter tout le monde, du circuit court. On a envie de croire que ça va être l'avènement du circuit court, même si c'était amorcé depuis quelques temps. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais c'est vrai que vous êtes l'illustration de ce circuit court, c'est-à-dire que si on veut venir chercher sa ciboulette, vous en parliez, on vient vous voir, on a la ciboulette, pas besoin de la faire venir du bout du monde, même si au demeurant, en Asie, elle est très bonne. Mais enfin bon, celle de chez vous, elle est terrible aussi. Donc le circuit court, c'est une réalité, mais il va falloir souffler sur les braises pour que ça continue, quoi. Alors le circuit court, ils se sont aperçus qu'on existait pendant le confinement. Là, on était aimés à 100%. À l'heure actuelle, on est revenu sur un axe tout à fait normal de consommateur. C'est-à-dire qu'un consommateur qui recherche le produit de proximité, mais le reste de la population, je pense, a déjà oublié un petit peu le circuit court. Ils sont revenus sur, disons, un circuit tout à fait normal. Bon, après, il faut considérer que tout a rouvert, quoi. Les petits marchés, les halles, tout ça, tout s'est remis en place. Donc, ça refait une distribution de la clientèle. Alain va continuer de discuter ensemble de toutes les activités, puis on va parler de toute la région, parce que vous avez amené pas mal de stats intéressantes, on pourra les développer. Ouais. Mais tout de suite, on va aller faire un petit tour en Corrèze, au lycée agricole de Brive-Voutezac, exactement, avec Bertrand Courbier, juste après notre célèbre jingle. Damien, un petit mot, non, juste avant le jingle? Court, hein? Un petit mot court, Brive-Voutezac, c'est la première fois qu'on va en Limousin sur cette émission, donc le souligner. Et puis, on va bien entendu faire découvrir de magnifiques endroits, et pour la première fois, donc en Limousin, à travers cet établissement. Tout ça en 3D. Jingle. Notre tout premier invité, Bertrand Courbier, directeur adjoint du lycée agricole de Brive-Voutezac. Bertrand Courbier, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très très bien. Voilà. Bonjour à tous et un grand bonjour de Brive, de la région de Brive. Et je souhaitais tout d'abord vous présenter M. Ferrand, le directeur de l'établissement. Bonjour, voilà, à tous. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre lycée aujourd'hui. Nous accueillons actuellement 25 élèves sur un effectif d'environ un peu plus de 300 habituellement. Et nous avons actuellement aussi une quarantaine d'élèves en stage. Donc voilà, nous sommes en effectif très réduit. Nous avons repris mardi et pour l'instant, tout se passe bien. Présentez-nous l'établissement, Bertrand. Voilà, alors... je vais vous faire un petit panorama en fait de l'établissement. Alors nous sommes ici ce qu'on appelle une serre pédagogique. Voilà. Donc cette serre effectivement a été c'est l'élément le plus récent de l'établissement. Elle a été inaugurée en mars 2016 par le président Rousset. Voilà, et c'est un formidable outil pédagogique. Dans lequel nous recevons du public. C'est une jardinerie comme celle qu'on peut trouver au niveau dans le commerce, hein, où nous accueillons du public. Donc un magnifique outil, nous le verrons, qui est utilisé pour différents métiers dans l'établissement. Bertrand, bonjour, c'est Damien. C'est une exploitation en fait qui est ouverte au public et qui est réalisée par les élèves. Voilà, alors pour présenter l'établissement dans sa totalité, donc l'École de l'horticulture et du paysage de Brive-Voutezac est constituée de trois centres. Donc un lycée qui compte environ 300 apprenants. Un centre de formation des apprentis, alors qui a la particularité d'être départemental, qui lui est réparti sur quatre sites. Un site à Neuvic avec les métiers du golf, un site à Mac en Haute-Corrèze avec les métiers de la forêt, un site à Tulnave avec les métiers de l'élevage bovin et équin, les chevaux,
Et enfin, le site de Brive-Voutezac, qui lui concerne les métiers qui sont communs au CFA et au lycée, à savoir les métiers de l'aménagement paysager, les métiers de la production horticole et les métiers du commerce. Donc vous voyez que cette jardinerie que nous allons commencer à visiter, Vel va être principalement utilisée pour deux métiers. Ici, la partie commerciale pour nos filières qui vont du bac professionnel jusqu'au BTS. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup à une jardinerie habituelle. Classique. La différence, c'est que nous n'avons pas d'élèves. Ici, nous allons pénétrer dans la partie qui concerne la production horticole avec du matériel technique. Donc nous accueillons aujourd'hui une entreprise qui nous livre un semoir pneumatique. Voilà. Les métiers auxquels nous formons, je vous l'ai dit, la production horticole, le commerce, l'aménagement paysager, mais aussi les filières générales avec une troisième de l'enseignement agricole, une seconde générale et technologique et un bac technologique. Et je crois que vous créez des graines de champions, puisqu'il me semble que pour les Olympiades des métiers, les 5 jeunes qui ont été présélectionnés pour les métiers de l'horticulture viennent de votre établissement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une fierté. L'année dernière, nous avons eu des lauréats au concours régional, plus haut concours national de reconnaissance des végétaux. Et cette année, nous avons effectivement 5, nous allons accueillir nos 5 candidats sur le site. Donc là, les Olympiades des métiers vont se réaliser le 24 juin sur notre site. Et nous détacherons les candidats pour aller ensuite concourir au niveau national. Donc là, je voulais simplement m'approcher d'une serre. Donc dans l'horticulture, nous avons fait toutes nos productions. Nous bénéficions donc d'une exploitation agricole de 22 hectares, dans lequel nous avons des productions plein champ de légumes. Nous avons aussi de l'arboriculture, principalement de la pomme, 2 hectares. Et ici, vous pouvez découvrir les serres de production qui sont à la fois, qui sont principalement dédiées à la floriculture. Et vous vendez votre jus de pomme ou pas ? Alors, le jus de pomme est vendu. Nous vendons aussi les fleurs, principalement aux particuliers, aux collectifs locales, enfin aux municipalités alentours. Et ensuite, les légumes sont vendus. Alors, je crois que dans la thématique de l'émission d'aujourd'hui, nous parlons des circuits courts et du e-commerce. Donc, il faut savoir que nous, dans nos formations et sur cette exploitation, nous accueillons du public. L'exploitation a la particularité d'être intégralement en agriculture biologique. Nous adhérons au panier paysan, un drive fermier qui a explosé pendant la période de confinement. Habituellement, dans une période normale, nous fournissons aux clients une quinzaine de paniers par semaine. Et là, nous sommes montés à 70 paniers semaine. Ah oui, c'est une sacrée augmentation. Et est-ce que ça continue la demande ou c'est un peu calmé, on va dire ? Nous espérons que ça va continuer pour les finances de notre exploitation. Voilà, parce que c'est vrai que nous produisons et l'objectif aussi pour certaines de nos formations concerne la vente. Nous allons nous déplacer pour découvrir d'autres parties de l'établissement. Notre établissement, comme je vous l'ai dit, donc c'est un CFA, c'est un lycée. Le lycée compte 300 apprenants, environ 200 élèves et un peu plus de 100 étudiants, toujours dans les mêmes métiers. Et nous offrons des formations, mais aussi nous avons les 2/3 de nos élèves qui sont internes et nous accueillons 80 étudiants dans notre résidence universitaire. Donc ça veut dire que les jeunes chez nous vont passer la semaine. Alors il n'y a pas que les enseignements, il y a aussi ce qu'on propose à l'extérieur. Et nous allons le voir. Nous proposions des sections sportives. Foot masculin-féminin et rugby masculin-féminin. Et ce sont quasiment plus de 40% de nos élèves et étudiants qui sont inscrits en section. Vous avez un partenariat avec le CAB ?
Alors nous avons un partenariat avec le CAB, nous avons un partenariat aussi avec la Fédération française de football. Et au-delà de la pratique du sport et la participation à différentes compétitions, nous formons nos jeunes au diplôme d'arbitrage et diplôme de moniteur. Et pour en revenir à l'horticulture, j'imagine qu'au bout du bout du bout, pour tous ces jeunes, il y a des emplois pérennes après cette formation chez vous. Exactement, donc ça c'est une chose très très importante. Ce sont des métiers, les professionnels, nos partenaires professionnels recherchent des salariés. Ce sont des métiers qu'on appelle en tension, que ce soit en aménagement paysager, dans le commerce, en jardinerie et dans la production horticole. Les employeurs recherchent des candidats formés au niveau bac professionnel et BTS et ont du mal à en trouver. Donc ici, nous arrivons sur un site un peu particulier du lycée. Le lycée, c'est un canal d'irrigation, c'est un ancien moulin. Et ce moulin a deux canaux qui ont créé une île. Donc là, nous sommes sur ce qu'on appelle l'île. Et nous accueillons nos élèves avec nous leur proposons des sections sportives, mais aussi des sections art nature et des sections art floral. Donc il y a une sensibilisation aux productions artistiques. Et là, vous en avez des exemples qui sont faites à base de végétaux. Nous sommes à côté d'une ville qui s'appelle Obja. Et une des particularités d'Obja, c'était la production d'osier. Et donc là, on a le travail de l'osier qui se fait sous forme artistique dans ce secteur. Donc vous voyez qu'on a un cadre qui est quand même... Ah oui, on entend les oiseaux, c'est sympa. Hein. Voilà, un cadre privilégié. Voilà un exemple de réalisation artistique. Alors ça fait partie intégrante de nos formations aussi, ces actions, parce que ça fait partie de modules, de matières, principalement en BTS et en bac professionnel. Très bien, on a fait un tour relativement complet de votre établissement. Il y a Denis à côté de moi qui n'ose pas vous le demander. Si à tout hasard vous venez sur Bordeaux avec quelques bouteilles de jus de pomme, il se fera un plaisir de le goûter. Et je peux confirmer, il est excellent. Très bien, eh bien écoutez, ça serait vraiment avec plaisir. Et d'ailleurs, vous avez votre marque ou pas? Comment ça se passe? Vous avez le droit de créer une marque qui vous serait vraiment propre? Alors nous avons bien sûr le droit de créer une marque, mais bon, là on est sur une vente qui est relativement confidentielle. Enfin, on n'est pas sur de grosses quantités. Nous, la production de pommes se fait principalement, bon an, mal an, nous produisons environ 45 tonnes de pommes. Et sur ces 45 tonnes de pommes, ce seront une tonne et demie, deux tonnes qui vont être transformées en jus. Donc des quantités relativement faibles. Merci beaucoup Bertrand Courbier pour cette promenade dans votre établissement qui est vraiment magnifique. C'est en pleine nature avec le ciel bleu. J'imagine que ça doit forcément plaire aux jeunes et puis même à leurs parents qui découvrent ça, ils se disent « Ah oui, là, je pense que mon fils ou ma fille va être bien ». C'est vrai qu'on on voit depuis trois émissions des établissements qui sont magnifiques. On a vu un centre de formation d'apprentis à La Rochelle, on a vu un institut de soudure pas plus tard que mardi dernier. On voit là un lycée agricole. C'est vrai que la région, elle est quand même constellée de tout un tas d'établissements de ce type-là. Et comme le disait le président Rousset, fort justement, quand on a un bel outil de travail, on a envie d'y venir et on a envie de se former. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on continue à le montrer et on continuera dans les prochaines émissions. Alors on va saluer Bertrand Courbier, je ne sais pas s'il est encore là. Bertrand, en tous les cas, merci beaucoup. Je suis là, merci à vous. Et bien sûr, on croise les doigts pour que la prochaine rentrée soit tout à fait classique et normale. Et vous aussi, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Allez, retour en plateau avec notre invité Alain Sanguinet, élu de la Chambre régionale de l'agriculture, maraîchaisine. Ça vous parle, tout ça, Alain? Tout à fait, oui, ça me parle. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout l'installation technique. Une très, très belle installation. Donc, quand vous avez des élèves qui arrivent dans un appareil comme ça, c'est top. Oui, c'est important. Voilà. Puis après, nous, c'est effectivement, c'est des métiers qui sont en tension. Donc, on est en recherche de salariés formés, bien formés. Donc, si on a des appareils, enfin, des centres techniques comme ça, avec des outils de ce genre-là,
C'est que du bonheur pour nous. Et ça, il faut bien le dire aux parents ou aux jeunes, il y a du boulot. Alors, là, on s'achemine vers des moments très difficiles. Le gouvernement nous prévient, mais à côté de ça, il y a des sources d'emploi. Il y a quand même des sources d'emploi en agriculture. L'agriculture est en recherche. Avec des bons salaires aussi. On n'a pas honte de nos salaires, je pense. Moi, je suis parti à commission mixte, je vois que nos salaires sont, par rapport à l'industrie, on tient même à ceux de nos apprentis. Je pense que l'agriculture n'a pas honte, et puis surtout le cadre de vie, la convivialité qu'il y a dans les entreprises. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'on ne travaille pas avec, à la chaîne. Donc on a un cadre de vie et une ambiance de travail pour moi qui est bonne dans l'agriculture. Alain, peut-être quelques chiffres. Combien d'exploitations en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, la Nouvelle-Aquitaine, je vous ai ramené quelques chiffres. À peu près entre 20 000 et 20 500 entreprises, employeurs. On a 164 000 salariés sur la Grande Aquitaine. On est les premiers employeurs quand même en agriculture sur la France. D'accord. Voire un peu plus, après notre président. D'accord. Mais bon, je suis prudent là-dessus. Voilà, on a 35 000, 36 000 CDI. Par contre, on a beaucoup de saisonniers. On tourne autour de 195 000 saisonniers sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est des chiffres quand même importants. On recrute pas mal à l'étranger, en regret. Pourquoi on ne recruterait pas plus en France ? Former nos jeunes, et je pense qu'il y a de l'avenir encore dans l'agriculture. Quoi. Et puis on a la chance dans cette région d'avoir une diversité à la fois de production, d'élevage. Il y a tout qui se fait en région Nouvelle-Aquitaine. 12 départements. 12 départements. Donc 12 forcément, départements. Ça veut dire 12 réalités, 12 géographies. 12 géographies, 12 réalités différentes. Mais des métiers, des nouveaux métiers qui se développent dans toutes les régions, dans tous les départements, pardon, pour l'accueil œnologique, enfin, le tourisme. Enfin, on a plein d'ampleur encore à exploiter sur l'agriculture. Allez, on va continuer le déroulé de cette émission, le live des métiers, épisode 3. On va rester en pleine nature et je crois même qu'on va aller à la rencontre de brebis. C'est parti. Deuxième invité du live des métiers, Nicolas Harpin, en direct d'une exploitation. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous trouvez à Montmorillon, c'est ça ? C'est ça, alors, dans la Vienne. Dans la Vienne. Et derrière vous, on voit, on voit des animaux. Des animaux à quatre pattes, donc des brebis à viande en fait. Donc leur production principale, c'est de produire des agneaux pour la destination de la viande d'agneau. Vous avez été champion de France en 2017 dans ce métier donc de l'élevage au vin. Ça a déclenché beaucoup de choses, ce passage, ce voyage à Abu Dhabi. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses positives, j'imagine. Ah bah, il y a eu énormément de choses positives, oui. Tout d'abord, déjà, une reconnaissance personnelle. Ça permet de se dire qu'on n'est pas si nul que ça, du coup. De se comparer aux autres et de voir que voilà, on arrive à faire de belles choses. Et puis, ça m'a apporté énormément un énorme carnet d'adresses, en fait. J'ai maintenant énormément de contacts dans la filière et c'est un plus... C'est un énorme plus pour la suite des événements. D'accord. Et donc depuis Abu Dhabi, si je comprends bien, en fait, tu es dans une exploitation qui est dans un lycée en Vienne. Voilà, donc c'est un lycée agricole. Donc en fait, les élèves peuvent venir faire en fait des travaux pratiques sur l'exploitation. Donc nous, on propose des activités aux élèves et après, en lien avec leurs formateurs, ils viennent réaliser des travaux pratiques directement sur les animaux. Alors Nicolas, une question, comment on arrive dans cette filière en fait ? C'est le hasard, c'est des rencontres, enfin, expliquez-nous un peu votre parcours, comment on arrive à s'occuper de brebis ? Alors moi mes parents étaient dans l'élevage au vin, donc ça m'a beaucoup influencé, j'ai été attiré par d'autres métiers, mais finalement c'est celui-là qui m'a toujours le plus passionné. Donc j'ai poursuivi mes études dans des lycées agricoles et... Jusqu'à ma dernière année d'études où après j'ai été embauché par mon maître de stage. Ça me fait une très bonne expérience supplémentaire. Et ensuite, voilà, je suis arrivé dans cette exploitation du lycée agricole en tant que responsable de l'atelier au vin.
pour avoir encore plus de compétences. Et une chose aussi très importante dans ce nouveau poste auquel je suis arrivé en novembre dernier, c'est qu'il y a beaucoup de décès en fait, qui sont réalisés avec la région et avec la filière nationale. Et du coup, ça nous permet d'être un peu, entre guillemets, au contact des nouvelles pratiques qui sont réalisées dans la filière. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement Les brebis, non? Non, pas les brebis. Les brebis, on les voit très bien, mais un petit peu les différentes activités qui concourent à ton métier. Alors, pour tout d'abord récapituler l'exploitation, donc il y a trois ateliers. Il y a aussi également des vaches allaitantes et des chèvres laitières. Donc là, ce sont d'autres ouvriers de l'exploitation qui s'en occupent. Et donc, moi, je m'occupe d'un peu plus de 700 brebis. De deux races différentes qui sont complètement opposées d'ailleurs. La romane qu'on peut voir derrière moi, qui est la race la plus représentée en France, et la charmoise qui est une petite race rustique locale en fait. Et donc je m'occupe de ces 700 brebis sur un peu plus de 100 hectares, qui sont en majorité en prairie permanente. Et alors, qui sont les jeunes qui viennent pour ces formations-là? Parce qu'on dans notre émission, on essaie de combattre les clichés, absolument, en disant que tous les jobs sont vraiment intéressants. D'où viennent-ils, en fait, les jeunes qui sont chez vous? Eh bien, ils viennent un peu de toute la région et d'autres régions également, puisque le lycée est quand même très, très réputé, même au niveau national. Et parce que moi-même, j'en ai entendu parler alors que j'étais originaire de Savoie, et c'est pour ça que je suis venu dans ce lycée à la base pour terminer mes études. Et après, ce ne sont pas forcément que des fils ou des filles d'agriculteurs, ce sont aussi ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux. Ils viennent parce qu'ils cherchent, ils aiment bien le contact avec la nature, et du coup, ça leur permet de... Quand ils viennent sur un lycée comme ça, avec plusieurs productions, de voir un peu s'ils ont encore des doutes sur les productions qui les intéressent le plus, pour les conforter dans une production ou une autre, ou voire plusieurs en même temps. Et donc c'est vrai que d'avoir l'exploitation à côté du lycée, ça leur permet de vraiment pratiquer directement le métier tout en étant à l'école. En fait. Quel niveau de formation dans cet établissement? Toi, je crois que tu as un BTS, il me semble, si je me souviens. Donc j'ai fait un BTS et puis après j'ai terminé par une formation, donc c'est une formation adulte, c'est un CSO 20 qui complète bien en fait le parcours que j'ai eu, parce qu'en fait c'était un parcours où on voyait vraiment toutes les productions, et ce CS m'a vraiment permis de me spécialiser dans la production dans laquelle je suis passionné. Et donc un jeune qui veut venir se former là dans ton lycée avec toi et puis pratiquer, puisque là il y a l'exploitation directement, il peut se former à quel type de diplôme? Alors il peut avoir un BEPA, un BEP agricole. Ensuite il peut très bien faire un bac pro directement aussi, et un BTS également. Et après pour des licences c'est possible aussi. Il y a beaucoup de futurs éleveurs qui continuent en licence et voire même au-dessus. Là, c'est dans d'autres lycées, par contre. Là, ça s'arrête au BTS et après aux formations adultes, comme les CS, les certificats de spécialisation. Ça veut dire qu'au bout, il y a des emplois aussi dans ce secteur? Oui, c'est un secteur qui ne manque pas du tout de débouchés. Au contraire, y a une forte demande. En fait, il y a beaucoup de départs à la retraite et très peu de reprises. C'est ça le gros problème de la filière, d'ailleurs. Et c'est grâce à des concours, d'ailleurs, comme les Olympiades des métiers, qu'on promouvoit ce métier, et ça aide à montrer aux jeunes ce métier, qui est plutôt, en règle générale, quand on n'est pas dans le milieu, plutôt dévalorisé, et qui s'est énormément modernisé ces 10-20 dernières années, et qui est devenu un métier très technique et passionnant. Et voilà, et passionnant, oui, oui, oui. Petite question aussi, est-ce que vous devez faire face justement vous aussi aux clichés quand vous dites je m'occupe de brebis, est-ce que les gens écarquillent les yeux ou vous sentez que c'est en train de changer ça aussi? Non, il y a quand même encore beaucoup de préjugés pour les personnes qui sont pas du milieu agricole, et même du milieu agricole d'ailleurs, entre productions il y a souvent des préjugés même.
Bon, on a eu la chance, nous, de voir un petit peu toutes les productions pendant cette émission. Il y a quelques années, Nico, on avait échangé et tu m'avais dit que ton objectif était d'avoir une exploitation. Est-ce que c'est toujours un objectif pour toi ? Oui, c'est toujours le cas. J'avais pas envie de m'installer en fait tout de suite après mes études. J'avais envie d'acquérir encore beaucoup d'expérience dans différentes exploitations. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'élever des brebis. Il y a une multitude de façons de faire. Et je voulais voir vraiment un maximum de techniques avant de me lancer et éviter de faire trop d'erreurs. Et également adapter les techniques que je veux utiliser par rapport à ma philosophie de l'élevage ovin. Et là, vous êtes prêt pour le grand saut ? Prêt, pas encore. De toute façon, on est plus ou moins jamais prêt, mais j'ai plus de bagages que lorsque je suis sorti de mes études, oui. Même si j'ai fait quand même mon BTS et mon bac pro en alternance, ce qui m'a également beaucoup apporté. Ces expériences en tant qu'ouvrier, puis après maintenant en tant que responsable, m'ont vraiment beaucoup apporté. Est-ce qu'on peut vous demander une petite chose, Nicolas, de marcher peut-être un petit peu au milieu des brebis, c'est possible, qu'on découvre aussi le lieu, parce qu'on voit la perspective, voilà, là on est en train donc de... Donc en fait là on est dans la bergerie principale, à cette époque en fait l'herbe à l'extérieur pousse en abondance, donc la plupart des brebis sont à l'extérieur, vous voyez là en fait il n'y a que 54 brebis avec leurs agneaux, en fait c'est des brebis qui ont agnélé il y a maintenant un peu plus d'un mois, donc l'agnélage c'est l'accouchement des brebis. Et donc, leurs agneaux sont avec eux jusqu'à leur sevrage, en fait. Donc, pour cette période-là, qui est assez délicate, parce qu'il y a besoin de beaucoup de surveillance, donc elles sont rentrées en bâtiment, où elles ont du foin et une complémentation avec des céréales qui sont produites sur l'exploitation. Et donc, elles vont rester là encore un bon mois avant de retrouver les pâturages extérieurs. Et donc, si on comprend bien, dans la période, hors de la période pardon, d'agnélage, ces brebis se retrouvent en fait dans les pâturages. Dès qu'elles agnèlent, dans l'heure qui suit, je les rentre en fait dans des petites cases individuelles où elles vont passer quelques heures, où ça me permet de les surveiller, de surveiller que aussi leurs agneaux vont bien, qu'ils se lèvent bien, qu'ils têtent bien leur mère. De surveiller qu'ils n'ont pas de problème, parce que c'est vrai que c'est la période où les premières 48 heures de leur vie où ils sont les plus fragiles, parce qu'ils ne créent pas encore leur propre immunité. Et c'est grâce au lait, le premier lait, c'est le colostrum de la brebis, qui vont acquérir une immunité, en fait. Et donc, c'est important de bien surveiller cette étape-là. Donc, c'est pour ça qu'on les rentre dans les bâtiments pour pouvoir beaucoup mieux les surveiller. Et ensuite, on procède à l'identification individuelle de chaque animal, qui est obligatoire, et avant de les remettre dans ce qu'on appelle l'air paillé, avec les autres brebis. Et là, ils ont l'air très, très intéressés par tout ce qui se passe. Hein. Oui, c'est très curieux. C'est craintif, parce que dès que je me suis levé, elles ont tout de suite fui, parce que c'est un instinct de survie, mais après, ils sont très curieux et ils savent qu'il n'y a pas de danger, donc ils reviennent vers moi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et une question que tout le monde se pose, en tout cas, moi, je me la pose, est-ce que tu connais l'ensemble de tes 700 brebis et est-ce qu'elles te reconnaissent ? Alors oui, elles me reconnaissent. Après, je ne les connais pas toutes individuellement, parce que 700, ça fait beaucoup. Et puis, il y en a 130 chaque année des nouvelles, donc c'est compliqué de toutes les connaître une par une. Mais après, j'en connais beaucoup... souvent un peu, entre guillemets, mes favorites, qui sont souvent beaucoup moins peureuses que les autres et qui viennent réclamer quelques petites caresses. Nicolas, merci beaucoup pour ce moment avec ces brebis et puis ces agneaux. C'est vraiment magnifique et touchant. Et on les voit courir. Merci beaucoup, Nicolas. Ouais, de rien, merci. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne chance pour la suite. Merci. Et puis après, donc, Montmorillon, nous allons prendre tout de suite la direction, j'allais dire, du Grand Large, direction la Charente-Maritime.
Parole de pro avec David Mercier, cultivateur et éleveur maritime dans le bassin Marennes-Oléron. David, bonjour. Bonjour. Alors, on le voit, ce n'est pas un décor de cinéma, c'est la vraie vie. Il y a de l'eau, il y a le ciel, vous êtes en pleine nature aussi. Oui, on est en plein cœur du bassin de Marennes, hein, parce que nous, on est situé à Saint-Just-Luzac, près de la Seudre. On n'est pas près du bassin Bourse-Franc. Voilà. Quelles sont les activités, David, bonjour d'abord, dans votre ferme? Nous, on fait principalement de l'affinage d'huîtres. On ne fait pas de parc en mer, on fait que de l'affinage d'huîtres en clair. On fait aussi de la crevette impériale. Et l'année dernière, on a fait un essai de truite de mer, en fait. D'accord. Et vous avez une surface, on voit des bassins, vous avez une surface de combien pour pouvoir faire tout ça? Là, il y a une surface en eau de 2,8 hectares pour une surface en terre qui est de 11 hectares. En général, c'est moitié-moitié. Nous, on n'est pas sur la bonne proportion. Mais bon, c'est bien assez pour travailler, en tout cas. Alors, David, une question. Comment avez-vous vécu cette période du confinement? Vous avez, j'imagine, continué de travailler, enfin, ou pas d'ailleurs. Comment ça s'est passé pour vous, vous et toutes les personnes qui travaillent avec vous, autour de vous? Dans la profession, pour beaucoup, la commercialisation s'est arrêtée. Pour nous, pareil, on a quand même quelques clients sur Paris qui ont réussi à nous faire des commandes. On a expédié ce qu'on a pu, puis le reste, on a fait beaucoup de local près de chez nous, sur Rochefort. Le circuit court, c'est un peu le thème de cette émission. C'est une réalité qui a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Nous, on travaille avec une AMAP à Marennes. Donc effectivement, sur notre essai de truite en mer, il nous en restait et il fallait absolument les faire sortir des bassins, les commercialiser. Donc on a fait au plus vite et on a fait au circuit court le maximum. Est-ce que vous pouvez, David, nous présenter un petit peu et nous décrire une journée de travail? On se pose la question de savoir quelle est la journée de travail lorsque on élève des huîtres, des crevettes et différentes choses comme vous le faites. Une journée type, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on a plusieurs productions. Donc tous les jours, on s'occupe d'une production ou de l'autre. C'est toujours très variable. Là, à partir de demain, on commence à mettre nos huîtres en clair. La semaine dernière, on a fait rentrer nos crevettes et on les a mises en clair. Donc c'est, tous les jours, c'est un travail différent. Alors c'est intéressant cet exemple des crevettes parce que souvent on voit les crevettes viennent de très loin, notamment d'Asie. Et vous avez une production qui est made in France. Oui, je suis pas le seul hein, quand même. Ici sur le bassin de Marennes, oui, effectivement, il y a une production de crevettes impériales, Penugia et Ponicus qui est en fort développement, je pense. La demande aussi est en développement. Ouais. Voilà, il y a une vraie demande pour ce produit-là. Oui, parce que finalement, on est sur des prix assez raisonnables comparé à ce qui vient de très loin. Et on est surtout sur une qualité qui est bien différente. Hein. On n'est pas sur un produit congelé. Nous, on vend le produit vivant. On vend les crevettes vivantes en général à la majorité de nos clients. Donc, on n'est quand même pas sur la même chose. Alors, David, vous savez qu'on est sur le live des métiers. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment ça s'appelle votre métier? Nous, on est aquaculteur. On fait pas que des huîtres. On ferait que des huîtres. On serait ostréiculteur, mais on fait des crevettes, voilà. D'accord. Et ceux qui nous regardent et qui voudraient vous suivre dans ce métier-là, quel type de formation ils doivent faire et peut-être quel est votre parcours à vous pour donner envie à un certain nombre de rejoindre les métiers de l'aquaculture? Alors moi, j'ai suivi une formation au lycée à Bourse-Franc il y a fort longtemps. Après, je suis parti sur d'autres voies et je suis revenu il y a 4 ans dans le milieu aquacole. Mais j'ai fait une formation bac pro au lycée à Bourse-Franc. Après, il y a des lycées aquacoles un peu partout en France. Hein. Mais j'ai fait une formation aquacole. Après, il y a aussi des formations adultes hein, aujourd'hui pour des reconversions. C'est un métier où l'emploi est là, où les perspectives sont positives et intéressantes? L'emploi, c'est quand même assez saisonnier, c'est vrai. On a quand même des pics d'activité importants sur l'année. C'est assez difficile. Nous, il y a que moi et ma femme qui travaillons sur l'exploitation. Ma femme gère la partie administrative et communication. Et moi, je gère la production et la commercialisation. C'est vrai qu'on a quand même des pics d'activité qui sont difficiles à gérer à deux. On n'a pas les moyens pour le moment d'embaucher. Donc, il faut faire avec. Mais oui, il y a du travail. Hein. Il y a du marais ici encore à vendre dans le secteur. Il y a une demande, oui.
Merci beaucoup, David. Juste encore une petite question. J'imagine, pour en avoir discuté avec vos collègues ostréiculteurs, pour le coup, du bassin d'Arcachon, qui comptent énormément sur la consommation locale cet été. Vous aussi, vous espérez que tous les Français qui vont sans doute être beaucoup en vacances en France vont venir aussi consommer, pourquoi pas aussi, vos produits? Oui, je l'espère. Puis nous, la ferme, elle est ouverte au public. Donc, nous, on aime bien que les gens viennent consommer et discuter avec nous de notre activité. C'est important que les gens sachent ce qu'ils consomment. D'accord. Je crois que vous avez d'ailleurs une page Facebook, on la rappellera, de telle manière à ce que les personnes qui vont regarder cette émission puissent vous rendre visite et puis venir voir un petit peu votre activité. Et puis peut-être des jeunes qui sont autour de chez vous, qui ont besoin un petit peu de découvrir les métiers. Peut-être que c'est une opportunité aussi pour eux que vous leur offrez, que de pouvoir élargir leur palette de découvertes et puis peut-être vous emboîter le pas. Oui, bien sûr, on prend des stagiaires. Donc voilà, la découverte par le stage, c'est une bonne manière d'apprendre les choses. Merci beaucoup, David Mercier. Merci pour cette bouffée d'iode que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Bon, un petit mot de conclusion avec notre invité du jour, Alain Sanguinet, on rappelle, élu de la Chambre régionale de l'agriculture et maraîcher à Aisine. Alors, vous ne faites pas de crevettes impériales, mais ça vous a parlé aussi, ce qui nous explique sur cette production. On sait ce qu'on mange, c'est ça que vous aussi défendez depuis longtemps. Mais c'est une image que l'on défend, qu'on défendra de plus en plus par rapport aux produits qui nous arrivent extérieurs, même... même européen. Je pense que la France a une production bien développée et de bonne qualité, même de très haute qualité pour nos consommateurs. On a les traçabilités qui sont en place, on a toute une panache d'outils. Nombre d'exploitations sont surtout en production très spécialisée en culture biologique, enfin protection biologique, souvent dans du développement durable aussi. Donc on a des beaux outils dans notre pays pour nos consommateurs. Il faut sans doute en parler encore plus, peut-être, de nos produits, non de produits Je pense que le consommateur ne voit pas le travail que l'on met en place pour la production et de ce que l'on fait. Il n'a pas conscience de tout ce que l'agriculture met en place. On a souvent une image de destructeur. Moi, je pense qu'on a une image de constructeur. Parce que l'agriculture a beaucoup évolué, elle évolue tous les jours, nos métiers évoluent tous les jours techniquement, et c'est pour ça qu'on adore notre métier. D'ailleurs, sur ce sujet-là, Alain, il y a un leitmotiv qui, à travers cette émission, on le voit, on a vu des productions diverses et variées, des paysages magnifiques, il y a une communication qui s'appelle « L'aventure du vivant ». Et je pense qu'effectivement, les métiers de l'agriculture font pleinement partie du vivant. Et tu disais que ça a une image aujourd'hui de destruction. Je pense très sincèrement que c'est l'inverse et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette émission pour ce troisième numéro. Ah ben tout à fait. Vu le constat et ce que l'on voit à l'heure actuelle sur ces émissions-là, c'est la révalorisation de nos métiers et l'image de nos métiers. La vraie image qu'il y a de nos métiers. Voilà, et pas celle qui est peut-être encore dans les esprits. Mais les clichés, malheureusement, on le sait, on la vit dure, on la peau dure, mais nous, à force d'insister, à force de le dire, mais ça paraît bête, mais il faut dire, en fait, voilà, les agriculteurs ou l'industrie, voilà, à chaque fois, on fait tomber aussi des clichés, c'est important de montrer la réalité. Il y a du boulot, il y a des bons salaires, il y a une certaine idée de la liberté dans ce qu'on fait, de la passion du travail, la passion aussi, c'est important. La passion, c'est très important. La passion et puis l'amour du métier, quoi. Ça, c'est très important. Eh bien, voilà, une belle conclusion pour ce numéro 3. Épisode numéro 3. Oui, Damien, petit sourire de Damien, qu'est-ce qui se passe? Damien est content parce qu'il a fait une super entrée en matière avec le côté cinéma. Et là, il se dit, comment je pourrais finir aussi fort? Non, je ne veux pas finir forcément fort, mais je trouve effectivement qu'on a beaucoup encore de travail à faire pour donner la vraie image des métiers. On ne doit pas mentir à qui que ce soit. Lorsque ce sont des métiers qui ont des travaux en extérieur difficiles, il faut savoir le dire. Mais pour autant, c'est effectivement aussi de la liberté, de l'autonomie, des salaires tout à fait corrects et puis pouvoir manger bien.
Voilà, et ça, c'est important pour bien, la santé de tous. Voilà. Manger bon, manger bien, c'est bien ça. C'est pas mal. Bonne conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour l'épisode 4. Déjà, ça ne nous rajeunit pas. Merci, à bientôt. Salut.